Bonjour, bonsoir, bonne nuit, et bienvenue à Let's Play quoi, Let's Play? LVHOKEY, oui! Donc, nous sommes rendus à l'épisode 8, donc aujourd'hui, ça va être, je vais continuer la saison. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de trucs à vous donner en tant que tel, mais ça va être, on va jaser ça, si vous... Si vous voulez venir en live là, discuter avec moi ou sur YouTube si vous regardez en ce moment la vidéo, avoir des commentaires ou d'autres choses, là, donc des petits trucs ici et là, me donner d'autres trucs si vous avez des trucs à me partager tout ça, donc n'oubliez pas. Donc n'oubliez toujours pas d'aller sur ma page Facebook à aimer ma page, donc Maîtrophone, sur mon Twitter à commercial Maîtrophone, sur ma chaîne YouTube. Maîtrophone, vous marquez seulement Maîtrophone et vous allez me trouver. Il n'y a pas personne d'autre sur Internet que ce nom-là. Donc, de toute façon, vous allez voir ma grosse face, donc elle sera pas bien dure à reconnaître. Donc oui, aujourd'hui, je suis un petit peu pouilleux, là. Je ne me suis pas rasé, je m'en excuse. Donc, on va faire ça tantôt. Donc, OK. Donc là, on va arrêter de niaiser. Donc, on va starter les... On va partir les vraies choses. Donc, on va s'en aller dans le coin comme je fais... Comme vous pouvez voir là, je suis déjà dans ma page tactique. Ouais, donc ma page tactique qui est pourquoi je suis déjà là, c'est que je vais vous montrer quelque chose. Moi je vais partir, je vais me donner du. Là, il me reste 6 heures de plus 10. Donc le plus 10, je vais le skipper, puis je vais y aller avec du plus 20. Je vais le sauter, excusez-moi, de l'anglicisme. Donc je vais mettre plus 20 d'offensive. Donc là on va voir combien ça va me donner de cotes au total. Donc ça me donne un merveilleux, on va attendre que ça télécharge, un merveilleux 103 d'offensive. Aïe aïe, ça fait longtemps que j'ai jamais eu un 103 comme ça, donc c'est bien pour partir la simulation. Donc je vais peut-être avoir une chance de gagner contre notre ami ici Typhon, donc je vais partir la simulation. Là je vais garder mon gardien de but ici là pour le prochain match. Donc là, je vais y aller avec mon gardien de but normal. Donc c'est parti. Donc nous allons faire les matchs ensemble. Ça risque d'être des matchs de saison et des simulations de matchs hors concours. Ou peut-être vous donner 2-3 petits trucs aussi, si j'en ai à vous donner. Donc là, ça va pas très bien pour moi. Donc encore 2-0. Donc là, c'est plus le suivi dans le fond de ma saison qu'on va faire. Donc ça risque d'être quand même assez rapide comme vidéo, une petite vidéo rapide, là, simple, là. Rien de très compliqué. Donc voilà, j'ai pas fait vraiment de plus d'évolution dans ce qui a trait à mon équipe, à part que j'ai perdu 4-2, à part que j'ai réussi à recruter dans mon autre équipe, ben vous savez, je vous l'avais dit hier, la surprise, j'ai réussi à avoir 3 joueurs vraiment exceptionnels pour mon équipe A. Donc, ce qui est bien. Pour mon équipe B, ben, je simule le plus de matchs que je peux. Donc, ça va quand même assez bien. Je suis rendu à 90 de cote. Donc, c'est pas mauvais. Je m'en vais dans la bonne direction. Donc, là, c'est sûr, je vais avoir une belle victoire ici. Mais le reste de mon calendrier, c'est pas trop favorable pour moi. Parce que c'est des 100 de cote. Donc, ça risque d'être très, très, très difficile. Donc voilà, on se dirige, c'est sûr, là, on est rendu au jour, on vérifiera ensemble, on va être rendu au jour, je crois, 6, si je me trompe pas, je vais vérifier, là. Bon, belle victoire de 4-0, donc c'est bien, très très bien. Donc, une belle victoire de 4-0 ici, encore un jeu blanc de mon futur gardien numéro 1 qui va être monté un jour. Donc là, est-ce que j'ai des joueurs en feu? Ah, j'en ai juste un. Et c'est mon gardien de but. Donc, on va continuer. Donc, là, je vais jouer contre Sea Dragon qui a 102 de cote. Donc, ça risque d'être une défaite assurée, mais c'est pas grave. Donc, Sea Dragon, aïe aïe. Donc, cette ligue-là est un petit peu trop forte pour moi. Je sais, je le répète. 2-0 pour moi? Ben non, ça se peut pas, là. Ça, c'est trop beau pour être vrai. 2-0 pour moi, ça se peut pas, là. Mon goaler, il va se mettre à accorder des buts, là. Là, c'est 2-1. Non, arrête, là. Non, c'est ça. C'était trop beau pour être vrai, là. Là, il va sûrement accorder un autre but avant la fin de la partie. Allez, bloc. Va chercher un point. Allez, on va aller chercher un point.
Ah, maudine, on l'a perdu. Non, c'est pas grave. Donc, j'étais très, très étonné de gagner contre un 102 de cote avec 90. Donc là, je me prends contre un 100 de cote. Ça va pas... C'est pas énormément bon pour moi, pour mon équipe en tant que telle de mes joueurs, parce qu'ils vont tomber tout en léthargie, là. Mais d'où là que quand je vous donne un conseil, là, choisissez bien votre ligue. Parce que si vous entendez une balle qui rebondit, je m'excuse, là, c'est mon chat. Là. Mon chat, c'est comme un chien, il joue avec des balles rebondissantes. C'est vraiment drôle à voir. Je m'en excuse. Donc, c'est ça. Là, je vais continuer. Donc, là, si vous pouvez choisir votre ligue au début, choisissez une ligue là, qui est moins forte. T'sais, disons, là, vous commencez dans la ligue, je ne sais pas moi, comme moi, j'ai commencé dans une ligue ancienne. On ira voir ça ensemble tantôt. Moi, j'ai fait l'erreur. J'ai pas été très conscient de ma ligue où j'étais. Donc, ça me pénalise un petit peu en ce moment parce que je peux pas avoir des joueurs trop en feu. Et je peux pas avoir non plus. Si j'ai pas des joueurs en feu, donc mon équipe peut pas être plus forte que ce qu'elle est en ce moment. Ouf, ça c'est sûr que je vais perdre contre lui. Là, j'ai 106. Donc, c'est bien sûr, faut bien sûr choisir la ligue. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, je vais vous montrer comment faire. Si jamais vous ne savez pas comment faire, mais je crois que les gens, ils savent tous comment faire. Hey, je voulais faire un petit lien aujourd'hui. Là. Nous sommes le 16 décembre. C'est très, très froid ici en ce moment au Québec. Là. C'est assez fou. Là. Il fait de faire moins... Cette nuit, il faisait moins 30. Là. C'était assez intense. Mon auto ce matin ne partait pas. Donc, une petite parenthèse. Donc là, je suis en train de perdre de 2-0. Donc, nous continuons la simulation. Donc, c'est pas très intéressant pour l'instant. Je m'en excuse. Donc, on va pouvoir passer ça assez rapidement. Donc, une autre défaite. Donc, ça risque d'être une victoire et 5 défaites. Aïe, aïe, aïe. Donc, mais c'est pas grave. Donc, j'ai très, très hâte de changer de ligue. Là, oui. Très, très hâte. Mes joueurs ont un très bon choix de ronde, par exemple. Ça, c'est bon. Mais je sais pas si ça fait une grande différence au niveau des choix de ronde. Si on est en ce moment, non. Parce qu'on m'avait confirmé qu'éventuellement, ça va devenir plus intéressant pour les gens, disons, qui finissent plus bas dans le classement. Là, y en a-tu qui vont faire exprès pour vraiment être poche? Puis, tout se signer des joueurs de 40, 50 de cote. Puis, tu signes tous des joueurs en bas niveau. Là, tu fais exprès de perdre pour avoir un très bon joueur. Faire un peu comme les Maple Leafs ont fait l'année passée. Donc, OK. Donc là, mes matchs de saison sont terminés. Donc, disons, je vais revenir à mon truc, là. Quand vous voulez choisir une ligue, bien, vous allez dans le répertoire des ligues une fois que la saison est finie. Donc, quand vous êtes rendu au jour après la finale, dans le fond, au repêchage, ou c'est peut-être dans l'avant-saison que vous pouvez faire le changement. Je suis pas sûr encore. Donc, mettons, on dit dans l'avant-saison. Vous allez dans la ligue, vous faites répertoire des ligues. Et là, c'est vraiment bien de choisir la ligue que vous pouvez aller. Donc, c'est sûr, gars, ça va être marqué joint ici. Donc, choisissez une ligue là, avec votre niveau où vous allez dans la ligue comme moi. Tu sais, j'aurais dû la faire, disons. Aller dans la ligue Charger et aller voir en moyenne c'était quoi le score des bonnes équipes. Là. Tu sais, disons, on clique sur Spartial, mettons. Puis là, c'est sûr que là, c'est pas vraiment un truc, là, mais c'est plus pour vous de regarder. Alors, tu dis, oh yaya, il y a du 105 ici. Là, tu regardes, disons, ok, le 5, le 8e, il y a combien de cotes? Lui qui fait série. Si lui qui fait série, il y a 87 de cotes. Ça risque d'être plus difficile pour vous de gagner. Là, parce que là, vous avez seulement 89. Là, en ce moment, j'ai 89 de cotes. Là, si on regarde, lui, 94. Fait que là, si j'aurais fait ça, mes devoirs comme il faut, j'aurais dit non, je ne joindrai pas cette ligue-là. Je vais me joindre à une ligue plus faible. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Mes matchs, là, je vais le faire contre des gens dans le classement de tous les DG. Et je vais classer vraiment les plus pourris pour voir si je peux jouer contre eux. Pour m'assurer d'avoir un gain substantiel en fait de moyenne. Là. Ceux qui n'ont vraiment pas une bonne moyenne. Bon, ce que je peux jouer contre. Bon, et aussi, je peux jouer contre un 10. On va jouer contre un 10. Puis en plus de ça, il est quand même niveau 5. Donc, c'est pas énormément. Là, mais... Il y a 10 de cotes, donc là je vais m'assurer d'avoir des gains. Je sais pas si c'est très payant quand tu fais ça par exemple. 10 de cotes, est-ce que ça va être payant? 656, on va voir. Ah, ça m'a donné quasiment 8 millions, c'est quand même bien.
C'est sûr qu'en des bas niveaux comme en ce moment, je suis pour mon équipe B, ben c'est plus payant contre les plus bas niveaux. Parce que c'est logique. Mais quand vous êtes vraiment haut niveau et vous prenez contre des bas niveaux, ça vous donne à peu près entre 6 et 8, 7 millions maximum. Donc on repense au truc, on fait back. Donc là, vous avez accès immédiatement. La seule chose que je me demande, c'est que là, pourquoi qu'ils classent les équipes à 100 cotes. Bon, là, on est tombé ici à des 11. Je peux pas jouer contre des 11. Bon, là, je tombe dans des 13, 30, 40, mais je peux pas jouer contre eux. Donc, c'est toutes des équipes qui sont désactivées. Donc, c'est pas une très bonne idée. OK. Là, je vais faire l'ancien truc que je me suis fait donner. Donc, qui est d'aller dans le répertoire des ligues. Donc là, on va fermer cette fenêtre-là ici. On va aller dans le répertoire des ligues et on va aller jouer contre une ligue là, je sais pas laquelle, on va regarder. Niveau 57, niveau 40, bon, on va aller jouer contre la ligue des anciens. Donc la ligue des anciens, c'est pas mal plus facile. C'est une ligue que j'étais moi, au départ et qui était quand même pas très très fort. Si on regarde, disons, là, juste on va regarder le premier, là. On va regarder sa moyenne. Vous voyez là, sa moyenne c'est 82. Le meilleur de cette ligue là, il y a 82 de cote. Fait que logiquement, je devrais le battre. Donc je vais m'ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai 16 matchs à jouer? Bon, j'ai 16 matchs à jouer. Donc là, on va partir, on va y aller, on va faire affronter. Donc là, j'ai ouvert tous mes onglets. C'est sûr que si vous n'avez pas un ordinateur qui est extrêmement rapide, vous pouvez toujours faire le truc de faire affronter. Là, vous cliquez sur le match hors concours comme ça. Puis là, ben là, une fois que vous avez parti le deuxième, vous pouvez... Donc voilà, est-ce que ça va être une autre victoire? Moi, j'attends toujours voir si ça a un penchant de mon côté ou pas. Donc, non, c'est une défaite. Bon, c'est pas grave. Là, je vais faire affronter. Il y a 84 de cote. Bon, c'est pas grave. J'essaie quand même de jouer contre eux parce que c'est des joueurs actifs. Donc, ils sont plus payants. Mais c'est sûr, il faut toujours regarder le niveau du joueur. Si vous êtes capable de classer, d'aller dans le classement des DG, de trouver des joueurs qui sont au niveau, qui n'ont pas énormément de force, une équipe puissante. Une fois que vous allez avoir une équipe, là, disons, à 100 quelques cotes, là, vous allez pouvoir devenir 87, là, c'est trop. 80, ça doit être pas pire, ça. Il faut vraiment, c'est ce que je vous dis, il faut vraiment aller chercher les équipes qui ont pas énormément de moyenne. Comme moi, je l'ai fait tantôt avec mon autre équipe, Team of Star, et j'ai trouvé quand même dans les classements, ceux qui avaient des niveaux 100, disons 170, 160, 150, il y a des équipes de 90 de cote, 75 de cote. Au pire, je vais aller vous montrer ça. De toute façon, ma vidéo, comme je vous ai dit, n'est pas extrêmement longue. Là je fais des simulations. C'est pour vous montrer. Ah, là, je peux pas jouer contre lui. C'est bizarre ça. Ça, je me demande c'est pourquoi ça fait ça. Des fois, on peut pas affronter la personne. Est-ce qu'on l'a peut-être trop affronté? Ça se peut. Donc là, ici, je me prends contre un niveau 5. Donc, un niveau 5, ça doit être moins payant pour mon équipe, mais au moins, je vais gagner. T'sais. Comme là, je vais regarder combien je vais gagner. Donc, je vais gagner. Ah, j'ai quand même gagné 11 millions. Donc, c'est quand même assez bien. Quand même assez vite là. Ça monte quand même considérablement assez vite l'argent quand on est bas niveau. J'ai très hâte d'être dans les séries. À ce moment-là, là, je vais vraiment m'assurer de toujours gagner, même si je me prends contre des joueurs qui ont une équipe vraiment mauvaise, ben c'est x2. Donc c'est très 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 payant là. Ça c'est une chose que quand vous êtes éliminé des séries là, et que vous avez votre équipe est éliminée. Et que vous gagnez, ben ça vous donne là, des fois jusqu'à 30 et 35 millions le match. Donc pensez à ça, si vous avez 20 matchs à jouer, dans une journée, vous pouvez aller vous chercher facilement là, quand que les matchs en concours ils se cumulent, pas loin d'une soixantaine de matchs par jour que vous pouvez faire à peu près. Il faudrait juste savoir exactement combien de temps ça prend. On verra, là, on fera le calcul peut-être ensemble. Là. Combien de temps ça prend un match hors concours de charger puis d'être actif. Donc ça c'est une chose qu'on pourrait peut-être vérifier ensemble aussi.
Donc on va se dépêcher, on va essayer de finir ça au plus vite. Donc c'est quand même bien, j'aime ça voir ça, 103 d'attaque, là, c'est bien. Ça me fait chaud au cœur de voir 103 d'offensive. Donc j'espère que ça vous plaît cette vidéo-là, mais là j'ai pas grand monde en ce moment en direct. C'est pas grave. Moi, comme je vous ai déjà dit, je tourne ces vidéos-là en direct. Et par la suite, j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Fait que ça me permet en même temps de garnir ma page Facebook de ces vidéos-là, les vidéos live. Et ça permet en même temps de faire du montage par la suite là, pour ma chaîne YouTube. Donc, moi, ça me dérange pas d'en faire des lives. J'ai le temps d'en faire en ce moment. Donc, là, vous voyez, là, c'est pas pire. J'étais rendu à Star. Là, il m'en reste deux à ouvrir. Donc, je vais essayer Bayou et... Balou et Basket. On va voir ce que ça dit. Leur cote 77, donc je devrais être correct. Donc ça doit être des joueurs qui se sont inscrits, ça fait pas très très longtemps. Parce que c'est des niveaux très très récents. Ou bien c'est des joueurs qui ne jouent plus du tout. Mais leur cote, je sais pas si la cote de l'équipe elle va rester active. Ou je sais pas après combien de temps une équipe peut être désactivé automatiquement par le système. Je sais pas si ça se fait. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même facile de se monter une équipe. C'est juste de prendre le temps de jouer. C'est pas très long, là. Ma vidéo en ce moment, elle dure pas très très longtemps en ce moment. Là. Je veux dire, je vais être rendu à une affaire comme peut-être 10 minutes maximum en ce moment. Peut-être 15 aussi, là. Donc c'est pas très long, là. Si vous avez du temps à consacrer à ce jeu-là. C'était les moments les plus longs, des fois, c'est peut-être quand vous faites votre repêchage ou vous faites vos trios début de saison. Mais une fois que c'est parti, tout ça, là, c'est pas très long. Là. Mettez une demi-heure par jour. Là. Maximum une demi-heure. Même par jour. Non, peut-être pas par jour. Mettons ouais, une demi-heure pour gérer, pour checker vos affaires. Puis peut-être un 15-20 minutes pour jouer vos matchs hors concours, disons le soir, là, une fois que vous avez tous joué vos matchs de saison. Ou si vous voulez vous impliquer dans le forum de discussion de la Ligue, ben là, c'est sûr que... C'est plus facile pour vous. Ah, je suis rendu avec des léthargiques. 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe. Non, c'est pas tant pire, les léthargies, là. C'est pas si pire que ça. Donc, ok, c'est un de mes bons joueurs, par exemple, qui est en léthargie. Mais ça, c'est pas grave, là. Je vis avec. Donc, là, je vous avais parlé de quoi, déjà? Hey, je parle tellement que j'oublie des affaires. Je m'en souviens pas. Donc, je m'en excuse. Vous avez dit, on va aller voir ça ensemble. Bon, ok, ça va pas très bien mon affaire, donc on va aller voir les joueurs autonomes pour le fun. On va aller voir s'il y a quelque chose de bien aujourd'hui, de disponible. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de extrêmement bien, donc non. Ok, bon, ben regardez, ça va être ça qui va être pour mon équipe, parce que là, je viens d'avoir quelque chose sur l'agent libre, encore une fois, et je risque d'aller sauter dessus, carrément, à deux pieds joints. Et d'après moi, il y a quelqu'un qui me fait des cadeaux, là. J'en ai aucune idée, là. Mais en tout cas, ça va être, je retourne avec mon Team of Star, l'agent libre, et là, je viens d'avoir encore un défenseur, voilà. Je le signe. Voilà. Allez, merci. Un autre cadeau. Un autre défenseur de 99 de cote partout. Donc là, je vais être rendu à 4 défenseurs. Merci. Je sais pas c'est qui est généreux comme ça, là, mais merci beaucoup. C'est incroyable. Non, c'est pas moi qui achète des joueurs. C'est pas moi qui achète des joueurs pour une équipe B et j'ai mis sur le marché. C'est... Aïe aïe. Ok. Ben, merci pour le cadeau. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Je vais le prendre. Généreux, généreux. Donc, par contre, là, je me ramasse avec un surplus encore. Là, j'ai un petit problème là, de liquidité en ce moment. Je vais essayer d'analyser ça. Qui que je pourrais laisser aller? Là, j'ai un problème ici. Là. Ouais, on a un petit problème là, de monnaie. Là. Bon. Un petit problème d'argent. Là, j'ai trop de défenseurs. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, en ce moment, j'ai 10 défenseurs, mais j'en ai. Faut que j'y garde mes défenseurs, là. C'est ça qui arrive.
Donc là, j'ai un problème de liquidité de 1,19 million. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, voir si on peut renégocier un contrat à la baisse. Non, pas vraiment. Ok, là, je suis pris un petit peu avec ce que je viens de créer, là. Bon. Lui, je vais le garder parce qu'il coûte 1,42. Et là, je suis comme un petit peu, là... un petit peu dans la, dans la merde, hein, comme on dit. Ok. Là, j'ai 4 défenseurs comme ça. Là, il faut que je me dépêche parce que là, les gens vont jouer des matchs contre moi, sinon ils vont me massacrer. Ok. Est-ce que je peux vivre avec un défenseur de 80 cotes pour l'instant? Peut-être. Donc, il faudrait que je vérifie lequel que je voudrais kicker. Est-ce que je kick mon ami Yoani Curti? Ouais, je pense que oui. Je pense que je vais faire annuler le contrat. De toute façon, il allait me coûter trop cher pour absolument rien. Et il a seulement 26 ans. Donc, il ne rentre pas dans mes âges que je vise. Donc, annuler le contrat. Ça ne fonctionne pas? Est-ce que ça a fonctionné? Donc là, en même temps, ben, je fais un lien à mon équipe. Donc, est-ce que... Non, ça n'a pas fonctionné. C'est parce qu'il est blessé. Quand ils sont blessés, je crois qu'on peut pas les kicker. Ça se peut-tu, ça? C'est possible. Donc, attendez un petit peu. Là. Je vais vérifier ça. Est-ce que... On peut pas annuler le contrat d'un joueur blessé. Ah, ben, tababip! OK. OK. Là, je suis un petit peu pris dans mon jeu. Ok, d'abord, on va kicker des recrues. Bon, on n'aura pas le choix. Donc, toi, bonsoir à la visite. Ouais, je suis vraiment pris là, dans mon affaire. J'ai peut-être lui ici, là, je sais pas si... Ah non, lui, je le vis, c'est vrai. Ah, lui, il a 19 ans. Bon, ben, bonsoir à la visite. J'ai plus besoin de toi. De toi, excusez-moi. Donc, voilà. Bon, là, je vais de kicker un jeune. C'est pas grave. Je vais vivre avec pour l'instant. Et je vais en kicker un autre parce que j'ai pas vraiment le choix. Lui-ci, là, Kevat Jockey. De toute façon, c'était pas des joueurs que je voulais garder anyway dans mon équipe. Donc, là, j'ai rétabli l'équilibre dans mon équipe. C'était quelque chose d'assez. Là, faut juste j'aille vérifier que je peux mettre au moins un joueur à sa place. Donc là, ils ont mis mon défenseur comme joueur. Là. Okay. Là, je vais mettre notre ami ici, Spicola. Donc, j'avais deux joueurs de trop. C'était pas des joueurs qui vont faire une grande différence dans mon équipe. Parce que là, j'ai une stratégie, là, je vise vraiment... regardez, lui ici, là, j'ai fait son acquisition sur le marché des joueurs autonomes. 99, 99, 94, 99. Donc, c'est quand même assez intéressant. Parce que moi, mon équipe, c'est mon entraînement, c'est plus 10 de vitesse. Donc, d'où là que c'est une stratégie pour vous, là. Si vous cherchez des joueurs, bon, ben moi, ma vitesse, c'est ils ont plus 10. C'est sûr, je suis quand même pénalisé sur le total de mon overall d'équipe, mais ça l'affecte moins, mon overall d'équipe, quand que c'est comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc là, je suis rendu avec un quatrième défenseur de ce type-là, de 28 ans. Donc, mon équipe commence à ressembler vraiment à une équipe... 4 défenseurs de 99 au total partout, que ça m'a rien coûté, ça m'a juste coûté 2,8. Donc, vous voyez comment c'est intéressant de toujours fouiller les joueurs autonomes. Je l'avais fait ce matin en plus, je l'ai fait avant, j'ai fait mes simulations avec mon équipe avant, le joueur n'était pas là. Là, j'ai dit, je vais aller voir demain avec mon équipe B, puis là, paf, il apparaît. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a engagé encore, ou que peut-être, comme il m'a déjà expliqué Pierre-Paul Lefebvre, des fois, ça peut les affaires des serveurs, donc ça peut arriver que le serveur européen ou peu importe ait fait le ménage et ait mis le joueur sur les joueurs autonomes. Donc, je suis très 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 chanceux d'avoir pu mettre la main sur ce joueur-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vais essayer peut-être de faire ça le plus souvent possible. Faire un petit peu de simulation avec mon équipe B, puis après ça revenir avec mon équipe A, vous expliquer des trucs ou des choses que j'ai fait avec mon équipe principale. Comme là, ici, j'ai dit... You two, I brought four, cost me a lot of million, but well worth it. Ok, là, il dit en anglais, il dit moi aussi j'en ai eu 4. Mais là,
J'ai dit, je vais les baver. J'ai réussi à mettre la main. À mettre la main sur un autre défenseur identique. Avec une petite grimace. Donc ça, c'est toujours le fun de taquiner les gens sur les... Je suis en feu, là, voilà. Ok, bon, ben voilà. Donc, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui, la vidéo. Donc, une petite vidéo courte. Je sais pas si vous avez mieux le son comme ça, donc... Oups, excusez-moi. On va se... mettre la face en groupe. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez aimé la qualité de ma vidéo comme ça, si c'est mieux, si mon visage est plus clair. Je crois que oui, parce que si je vérifie avec l'autre caméra, c'est jamais la grosse couche, les caméras intégrées dans un portable, là, c'est jamais la grosse couche. Donc là, j'ai ma fameuse caméra HD, donc vous voyez mon visage en HD. Donc, c'était ça qui, en gros, dans le fond, c'est toujours vérifier, le truc que je peux vous donner, c'est toujours vérifier les joueurs autonomes, parce que ça touche à tout le monde, mais il y a une rotation qui se fait dans le marché des joueurs autonomes, parce qu'il y a les autres serveurs à considérer, donc, dans les temps de la journée, peut-être vous allez pouvoir avoir des joueurs intéressants. Donc, j'espère que ça vous a plu, cet épisode 8. L'épisode un petit peu plus rapide, donc qui a duré peut-être 25 minutes. Donc, j'ai dit que ça allait durer 15-20 minutes, mais peut-être c'est ça à peu près. Donc, n'oubliez pas d'aller sur, si vous êtes un nouveau joueur, ou si vous êtes quelqu'un qui regarde pour la première fois cette vidéo. Donc, moi, je jouais au jeu LVH Hockey, donc lvhhockey.ca pour le site. Très simple, donc vous avez tous vu l'interface du jeu, c'est assez simple à jouer. Donc, n'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook, liker ma page. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, je vous remercie beaucoup. Allez sur mon Twitter si vous voulez jaser avec moi aussi sur Twitter, sur Facebook. Ou si vous regardez sur YouTube en ce moment, ben attendez à la fin de la vidéo, vous allez avoir des liens pour vous abonner à ma chaîne. Juste en bas, allez commenter ou vous allez voir dans la description de la vidéo, il y a le lien pour s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et pour finir, j'en ai pas du tout parlé. Mais là, je vais nommer ceux qui ont gagné, dans le fond, les lots de 500 millions pour hier, donc ben, pour la vidéo l'épisode 8. Je vais le marquer en commentaire dans ma vidéo. Je vais nommer les gagnants, je vais envoyer les noms des gagnants à LVH. Donc, il y a toujours 5 lots de 500 millions à gagner avec chaque vidéo. Donc, c'est assez simple. Peu importe c'est où, ça soit sur YouTube, Facebook ou Twitter, peu importe, là, en message. Ou en peu importe, là, en commentaire, vous avez juste à marquer votre nom d'équipe. Juste un nom d'équipe, puis on va vous envoyer ça, ce beau petit lot de 500 millions-là. Il y a toujours 5 lots de 500 millions. Donc, je vous remercie beaucoup de me suivre, de me regarder. J'espère que ça vous plaît, ces vidéos. Des petites vidéos informatives, éducatives pour ce jeu. Pour vous rendre meilleur, plus rapidement, et avoir une équipe plus compétitive. Donc, en même temps, ça va me donner un... Pourquoi je veux faire à chaque jour, essayer d'en faire le plus, c'est pour vous montrer la progression qu'on peut avoir avec une équipe. Donc c'est quand même assez intéressant. Là, c'est sûr que là, le prochain épisode, ça va être seulement être lundi matin, donc dans deux jours. Donc, d'ici là, je vais sûrement avoir une autre progression que je vais avoir eu mon équipe. Au pire, je vais vous tenir au courant de qu'est-ce qu'il y en a. Donc, je vous remercie beaucoup de tout, de me suivre, de commenter, tout ça. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit. Au revoir, à la prochaine.